La règle de base, jouer en équipe, en véritable équipe, ne pas oublier ses partenaires. Voilà, l'arbitre a donné le coup d'envoi. On espère que le jeu sera à la hauteur de toutes nos attentes. Le ballon est toujours sous contrôle. Ouverture. Partir en contre, c'est toujours payant. Encore une belle occasion. Superbe reprise de volée. But. Ouverture du score. Ouverture du score dans les premières minutes. On est parti sur de très bonnes bases. Ça, c'est le but typique de l'attaquant. Efficacité et sens du but. Arrivé de la race des snipers. Les supporters sont aux anges. Ils n'attendaient pas un tel spectacle. Franchement, ils sont gâtés. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Voilà, maintenant, ils vont être au top. Après ce but magnifique, les supporters vont espérer qu'ils pourront maintenir la pression et continuer à assurer ce match. Bonne action, le ballon est récupéré. Ballon renvoyé en arrière. Bien joué. Belle passe. Nouvelle occasion de centrer. Ils obtiennent une touche dans le camp opposé. Ils peuvent construire quelque chose. Ah, c'est pas mal joué. Que va-t-il faire? Encore une occasion de centrer. Dégagement. Ils peuvent construire quelque chose. Trajectoire coupée par le défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Ça manque un petit peu de créativité devant. Autant frapper de loin. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Encore une belle occasion. Ça peut se terminer au fond. Il vise la cible. Long dégagement en avant. Joe Bryan. C'est super dangereux, il peut marquer. Il frappe directement. Corner au premier poteau. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Christian, on assiste vraiment à une rencontre sérieuse. Et ce début de la tête, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle mes jeunes années, quand je marquais les mêmes dans mon quartier à Avignon.
2-0, c'est vraiment une bonne avance. Leur attaque est vraiment de feu, elle est en pleine boule, elle est capable de marquer. Elle va essayer encore d'en marquer pour essayer d'agrandir encore plus le résultat. Maintenant, c'est de savoir si on va le faire avant ou après la pause. C'est une frappe. Il a complètement gâché cette occasion. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Ça, c'est vraiment du bon boulot. C'est coup si c'est. Il y a du but dans l'air. Quand même. Chandelle, il va frapper de la tête. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. C'est du bon. Ça pouvait être dangereux, donc coup franc. Il a dégagé. Le goal à la situation en 1. Et le gardien récupère le ballon. Encore une occasion de centrer. Ils reprennent le ballon. Le ballon subtilisé par l'adversaire. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Le ballon a franchi la ligne. Belle opposition, mais il me semble qu'il se jette dans la gueule du loup là. Le goal la bloque. Il reprend le ballon maintenant. C'est coup si c'est. La menace est écartée. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Ce contre peut être redoutable. Facile pour la défense. C'est coup si c'est. Bien joué. Nouvelle occasion de centrer. Bien joué! Corner sifflé par l'arbitre. Il arrive devant le nez du gardien. C'est un début de match exceptionnel, le troisième but!
Vous avez vu ce but de la tête? Il a gardé les yeux fixés sur le ballon. Il savait exactement où il allait le mettre. Le match semble plié. Ils sont vraiment déchaînés. Ils dominent dans tous les compartiments du jeu avec beaucoup d'aisance. À 0, ouais. Franchement, ça roule tout seul. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Les occasions en veux-tu en voilà. Là, ils sont concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Oh, cette défense, c'est du béton. Ils ont le contrôle total du match et c'est impressionnant. Belle preuve de confiance. Un ballon repassé en arrière. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. Ils peuvent construire quelque chose. Nouvelle occasion de centrer. Encore une occasion de centrer. Il est dans la surface, face au gardien. Allez, ça doit aller au fond. Une frappe au but. On est vraiment trop loin du poteau droit. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le perdre. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Nouvelle occasion de centrer. Attention, il frappe. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en mettant, voilà. Tactiquement, sa joie c'est bien, mais maintenant l'essentiel c'est de marquer un but. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Il a mis le pied sur le ballon. Trente minutes à l'horloge dans la première mi-temps. C'est coup si c'est. Ça ne fonctionne pas. C'est un ballon gagné. Encore une belle occasion. C'est une frappe.
et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Passe en profondeur. C'est un ballon bien rendu. Il a trouvé l'espace. Encore une occasion de centrer. C'est imprécis, manque de concentration. Comment il a fait pour atteindre tel but? Il avait fait la différence. Il se trouve en face à face avec le gardien. Il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Joe Bryan. Le contre, c'est l'arme fatale. Il lâche une frappe. Ballon repoussé des points, corner. Il passe sous le nez du gardien. C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. C'est coup si c'est. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Bonne réaction de la défense. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Il reprend le ballon. Oh, ce ballon va remonter très vite. Va-t-il marquer? Bien joué le gardien. C'est pas idiot, on essaye de construire en jouant d'abord derrière avec une belle sérénité. Ils peuvent construire quelque chose. Tranquille pour le gardien. Le ballon passe derrière les filets, 6 mètres. Attention, une action dans l'axe. Il doit tromper le gardien. Ouais, c'est pas cadré, mais c'est pas si mal. Peut-être qu'il s'est un petit peu enflammé en essayant de lober le gardien. Mais franchement, s'il marque de là, c'est quand même le but de la nuit. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les équipes au vestiaire. Joli duel, le ballon est gagné. Ils peuvent construire quelque chose. Ils vont effectuer cette touche.
La passe est mauvaise, il faut s'appliquer. Long ballon en profondeur sur le côté. Il tente. Oh, c'est passé d'un rien à côté. Ah, c'était bien fait. Il a tout enchaîné comme il fallait. Il a frappé. Il a simplement manqué le cadre. C'est coup si c'est. Attention, il peut marquer. C'est une grosse faute et ça peut être dangereux. Pénalty, oui, l'arbitre montre le point. Il n'a pas hésité à prendre sa décision. Seul face au gardien, c'est un face-à-face crucial maintenant. Tout à fait remarquable. Lui, il a deux de tension. Alors quand il tire un pénalty, je peux vous dire, la pression, il ne connaît pas. D'ailleurs, ça s'est vu. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Une différence de deux buts, ça peut suffire. C'est peut-être pas le bon moment idéal pour créer un but, mais ils ont quand même leur deux buts d'avance. Mais il faut faire attention dans ce genre de match. Ils doivent rester ferme au moins jusqu'au repos. Nouvelle occasion de centrer. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. C'est sûrement la dernière action du match. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. Coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraînements. Il y a tellement eu d'action dans cette mi-temps qu'on arrive à peine à passer les ralentis. Et il y a tellement de choses à dire que les entraîneurs peuvent se taire à la pause. 3-1, tel est le score à l'issue de la première période. Deuxième mi-temps et nous voilà repartis pour 45 minutes de football. Au second, il peut mener loin. Encore une belle occasion. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, mais il faut qu'il passe le ballon maintenant. Il manque vraiment de coordination. Joe Bryan. Encore pas mal de terrain à parcourir. Superbe tête. C'est dedans et désormais il y a 3 buts d'écart. C'est assez phénoménal. C'est un but splendide. Pourtant le gardien il a vraiment tout fait pour l'arrêter. Là, je crois qu'il faut constater les dégâts. Une flopée de buts, le score est de 4-1. Ah là, ils sont bien en place, en descendant, ils font bien circuler le ballon. Là, on peut dire qu'ils sont vraiment dans le match, ils ont une avance vraiment importante
à mon avis, ça va être dur de les rattraper. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Ballon renvoyé en arrière. Il reprend le ballon. Ils ont passé les lignes arrière. Ils ne trouvent pas le moyen de percer cette défense. Oulala, ça peut être fatal. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. C'était une défense en face de l'Algérie. Il avait peut-être la possibilité de mettre entre les jambes du gardien. C'est coup si c'est. La passe a été interceptée. La défense est malmenée sur le côté. Le gardien a le jeu en main. Encore une occasion de centrer. Il n'a peur de rien. C'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. O'Brien. C'est coup si c'est. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Encore une belle occasion. Bon dégagement. Il a mis le pied sur le ballon. En profondeur, bien joué. Il prend sa chance. C'est pas cadré sur la passe à gauche. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Nouvelle occasion de centrer. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. La balle s'approche du but. Ce corner ne rentrera pas dans les annales, sans problème pour les gardiens. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. C'est coup si c'est. «
Joli duel, le ballon est gagné. 15 minutes dans la seconde période. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Il a mis le pied sur le ballon. Joe Bryan. Magnifique passe en profondeur. Il n'a peur de rien. Un peu trop dévissé à droite. C'est vraiment dommage que ce genre de centre ne trouve pas preneur. De la défense sur le côté. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le perdre. Autour du goal de jouer. C'est Sékou Cissé. Joe Bryan. La défense a récupéré le ballon. Bonne sortie du gardien. Assez précis. Il cherche le couloir. Cette passe peut surprendre la défense. Et le tir frôle le montant droit. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes à me tuer en voilà. Bien défendu, le ballon est récupéré. Encore une belle occasion. Le ballon sort en touche à un très bon endroit. Il a plusieurs solutions. Le gardien remet de l'ordre. Le goal sort et capte le ballon. Dans l'axe, c'est toujours dangereux. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Dégagement. Il a chippé le ballon et ça peut être dangereux. Il lâche une frappe. Il en essaie un autre. Le portier détourne au corner. Le ballon est travaillé vers le but. Beaucoup trop dévissé à droite.
plus si c'est. Un long ballon vers l'avant. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Bien servi en profondeur par son partenaire. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Encore une occasion de centrer. Il n'arrive pas à dégager ce maudit ballon. Il faudrait peut-être jouer long. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Il passe dans le trou, derrière la défense. La défense est prise à revers. Action dangereuse, il peut marquer. Premier changement de leur côté. Il a raison de faire ce changement à ce moment du match. Il veut préserver la pression, il veut garder son avance. Je crois que c'est la bonne solution. Ils peuvent construire quelque chose. Le ballon est sorti, touche. Belle passe. Dégagé par le défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Un gros dégagement qui enlève tout danger. Encore une occasion de centrer. Ils se font déposséder du ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Ah, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. La passe a été interceptée. Nouvelle occasion de centrer. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Encore une belle occasion. Le danger est écarté. C'est une frappe. La défense devra faire attention sur cette touche. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Il l'éloigne de la tête. Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Frappe décochée. Goal ! Oh non ! Le drapeau est levé. Ainsi ce but est refusé. Oui, le juge de ligne avait bien levé son drapeau. Et c'est l'arbitre du centre qui s'est réveillé un petit peu tard. Mais c'était quand même la bonne décision. Encore une occasion de centrer. Dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Il arrive vraiment trop en retard. Qui va le tirer?
sous les yeux de l'arbitre, coup franc évidemment. Les adversaires ne peuvent plus se permettre d'encaisser un seul but. Bonne maîtrise du goal. On vit certainement les dernières secondes de la partie. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est bien fini. Ils ont totalement de...